Fabien Sudry, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or, et M. François Rebsamen, maire de Dijon et président de Dijon Métropole, vont maintenant aller se recueillir et déposer une gerbe devant la plaque commémorative des agents communaux morts pour la France de 1939 à 1945. Et qui ont mérité, bien mérité leur petite bouteille d'eau et un peu de fraîcheur à Londres. Voilà. Et puis, nous l'avons fait, mais ils ont dû regagner l'école, les élèves de l'école Jean Jaurès, l'école élémentaire, qui nous ont offert un bon moment d'émotion à travers, y compris l'interprétation de la Marseillaise, mais aussi à Capella, le chant de l'hymne européen qui est très difficile à chanter, c'est vrai. En tous les cas, je n'y arrive pas, je vous donne humblement. Ici, il y a 76 ans, le peuple de Dijon fêtait la libération. Et nous nous souvenons de cette journée qui a forgé notre histoire. Nous n'oublions et nous n'oublierons jamais le sacrifice de celles et de ceux qui ont donné leur vie pour libérer la France. Ils l'ont fait pour que notre pays redevienne lui-même fort de ses valeurs, celles qu'il a toujours portées, d'égalité, de justice, de liberté, des valeurs qui fondent notre nation et qui fondent la République. Et c'est maintenant notre devoir de porter et de défendre, en tout moment, ces valeurs. Dijon libéré, 76 ans ont passé, mais les mots claquent toujours avec la même force. Réveillant les images folles que je vous conseille de consulter, d'une ville en liesse, d'une foule tout au bonheur de la liberté retrouvée. Les notes de la Dijonnaise pendant l'occupation allemande décrivent dans Dijon une unanimité sans réserve, dans l'émotion, dans la joie. Le spectacle, on peut dire, bouleversant d'une ville qui, comme les villes libérées, était pavoisée, et tout cela en 5 minutes, avec des foules qui portaient des cocardes, des fleurs, il y en avait partout, qui embrassaient les soldats, les effectifs, du tricolore partout, jusqu'au collier des chevaux, écrivait-il, sur les arbres et sur les cheminées. Si nous célébrons le 11 septembre 1944, c'est pour ne jamais oublier les femmes et les hommes qui ont été les victimes du nazisme et les atrocités qu'ils ont subies. Je pense bien sûr aux déportés juifs, dont 6 millions ont été exterminés dans les camps de concentration. Je pense aussi aux aux déportés politiques, aux déportés raciaux, ciganes ou noirs, à tous ceux qu'Hitler considérait comme des sous-hommes, les homosexuels, les handicapés, les personnes handicapées motrices. Aujourd'hui, nous rendons hommage, comme il se doit, à celles et à ceux qui se sont battus, à ces héros admirables de courage et si souvent anonymes. Nous rendons hommage à celles et à ceux qui ont su, le moment venu, dire non. Non au renoncement, non à l'abandon, non à l'abaissement, non à la barbarie, non au nazisme, la négation même des valeurs les plus sacrées de l'humanité. Je tiens à saluer la mémoire et la bravoure de ces résistants français, sans qui la victoire aurait été impossible. Face au régime de l'État français installé à Vichy, devant les exactions d'un Paul Touvier ou de Maurice Papon, n'oublions jamais ces héros de la résistance qui refusèrent la révolution nationale proposée par le maréchal Pétain. Grâce à eux, grâce à un rassemblement de tous les démocrates, de tous les patriotes, la République et la démocratie ont pu être restaurées. La tâche n'était pourtant pas facile. Dans un pays miné par la guerre, les destructions très nombreuses, les pertes humaines, l'urgence était de reconstruire la France et de la doter d'une véritable démocratie économique et sociale. Le général de Gaulle, aidé de toutes les forces issues de la résistance, allait dans la Constitution de 1946 inclure les droits économiques et sociaux fondamentaux. Appliquant le programme du Conseil national de la résistance, la France allait instaurer un système auquel tous les Français sont toujours très attachés. Je pense à la sécurité sociale, mais je pense également au droit au travail et au repos, les comités d'entreprise, les allocations familiales pour tous. Les femmes, enfin, devenaient pleinement citoyennes en obtenant le droit de vote. Ce regard porté rapidement, trop rapidement, sur notre histoire rappelle également une réflexion contemporaine sur la responsabilité de nos idées, de nos actes et de nos engagements. La grande résistante que vous connaissez et qui est venue ici même, vous le savez, Lucie Aubrac, avec coutume de dire que le mot « résister » doit toujours se conjuguer au présent. Gardons donc à notre mémoire présente en chacun de nous ces belles paroles d'une troublante actualité. Il ne peut y avoir d'avenir possible dans l'extrémisme, dans les discriminations, dans le rejet de l'autre. L'humanité ne peut progresser qu'en épousant les valeurs d'égalité, mais surtout de tolérance et de respect d'autrui. Ces convictions que l'on croyait désormais acquises et solidement ancrées sont pourtant bien fragiles. La résurgence du racisme, qu'on voit tous les jours, de la xénophobie, de la haine antisémite à laquelle nous sommes confrontés, ne doit en rien être banalisée dans nos démocraties. Ce que nos morts attendent de nous, disait le héros Pierre Brossolette, ce n'est pas un regret, mais un serment. Ce n'est pas un sanglot, mais un élan. Je tiens donc à saisir cette occasion pour adresser mes plus chaleureux remerciements aux organisations de résistants, de déportés ou de combattants qui font vivre cette mémoire, notamment auprès des plus jeunes. Je voudrais donc, en ce jour du souvenir, rendre hommage à Henri Simon, l'un des derniers anciens déportés de Côte d'Or qui s'est éteint le 9 juillet dernier. Un nom bien connu dans les collèges, dans les lycées du département, puisqu'il intervenait régulièrement, ce préfet, devant les élèves pour raconter son histoire. Entré dans la résistance à Dijon à l'âge de 16 ans, Henri Simon avait été arrêté en décembre 1943, puis déporté au camp de Mauthausen, en Autriche. C'est l'amour, disait-il, pour son pays qui l'a fait tenir. Il n'a jamais oublié ses camarades de camp qui ont donné leur vie pour leur patrie. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous le dis avec force, vous pouvez compter sur mon soutien pour entretenir la mémoire et renforcer ainsi le lien entre les citoyens et l'histoire, notamment le lien avec le passé de notre ville. Et vous pouvez aussi compter sur l'implication de Benoît Bordard, le nouvel adjoint délégué aux anciens combattants au devoir de la mémoire, à l'engagement citoyen et à la défense nationale. Chers amis, 76 ans ont passé, mais le souvenir de ces instants extraordinaires nous rappelle encore l'exigence et le prix de la justice, de la liberté et de l'égalité. Français, libres, résistants, combattants de la libération de toutes origines, de toutes convictions, aux côtés de nos alliés, ils ont dessiné notre avenir et l'avenir de nos enfants pour une espérance commune, comme on l'a entendu chanter tout à l'heure. Celle d'un monde meilleur où chaque homme, chaque nation verrait enfin sa dignité reconnue, où justice, solidarité et progrès seraient bien plus que des mots, où respect, dialogue et tolérance seraient un devoir pour toutes celles et tous ceux qu'anime la même exigence, où la paix et la réconciliation éclaireraient enfin une Europe réunifiée. Aujourd'hui, et j'en terminerai par là, rassemblés dans le souvenir de la libération de notre ville, j'appelle nos compatriotes, et notamment les plus jeunes, à être fidèles à cet idéal de liberté, d'égalité, de fraternité, pour lequel les combattants des armées alliées, les résistants de Londres ou de l'intérieur, organisés en partie ou en réseau, les FF libres ou encore les simples citoyens patriotes, se sont battus et sacrifiés. Je le dis et nous le disons tous ensemble, rien n'est impossible quand on a la volonté de lutter pour les droits humains. De l'audace, la volonté, le courage permettent tout, que c'est avec confiance, malgré les difficultés du présent, que l'on doit regarder l'avenir pour construire ce monde de justice auquel ils aspirent. Peut-on rappeler aux plus jeunes que la liberté est facile à perdre, dure à regagner, qu'une nation qui aspire à la paix et au bonheur doit maintenir vivant en elle le travail de mémoire. Je n'oublie pas d'associer, ils sont peu présents à Dijon cette année pour les raisons que vous connaissez, de crise sanitaire, nos étudiants américains de Dijon pour lesquels le 11 septembre représente un triste anniversaire et que nous avons à cœur à chaque cérémonie d'inviter. J'appelle notre jeunesse à la vigilance, à l'esprit de résistance pour faire barrage au mépris, à cette haine de l'autre, toujours à l'œuvre. On pense à ce qui s'est passé cet été à Oradour sur Glane, bien évidemment, qui est la face la plus triste et la plus sombre de l'âme humaine. Je rappelle que nous devons défendre partout et toujours nos valeurs. Elles sont notre héritage commun, notre message, mais aussi notre fierté. Alors je vais conclure en laissant la parole à un grand homme, à Victor Hugo. Quand la nuit essaie de revenir, écrivait-il, il faut allumer les grandes dates comme on allume les flambeaux. Jean Jaurès avait dit allumer les soleils. En ce jour anniversaire, continuons ensemble de maintenir allumé le flambeau du souvenir et les soleils, et soyons dignes des valeurs de la résistance et des valeurs que celle-ci nous a léguées. Vive la République et vive Dijon. Merci.